Donc, on est reparti sur Rayman, maintenant qu'on a fini de faire mumuse avec Nightbot. Faudra que je règle quand même les petits soucis de pourquoi est-ce que quand je veux faire un câlin à quelqu'un, ça ne marche pas. Faudra que je teste tout ça. Bref. Eh oui, eh oui, eh oui! Allez vous faire foutre avec les waffles! J'ai mis une parade à waffles! Alors ça n'apparaît pas sur le chat de Twitch qui est dans le stream, mais ça c'est des commandes qui malheureusement n'apparaissent que sur le chat en direct. Bon bref, ne paniquez pas, si vous regardez ça en VOD ou si vous regardez ça sur YouTube, paniquez pas, c'est tout à fait normal. Donc. Alors, voilà, on va reprendre le jeu. Allez, c'est y part, mon y part. Donc, on en était là. Il y a combien de looms dans ce niveau? Il y en a 70 quand même. Alors, est-ce que au niveau du son, tout va bien? Est-ce qu'on peut entendre correctement? J'en passe des meilleurs. C'est bizarre. C'est bizarre. Bah, Grundy essaie d'actualiser, je sais pas. Je sais pas parce que t'as l'air d'être le seul dans ce cas-là, parce que visiblement les autres ils ont l'air d'entendre, donc c'est très étrange. Enfin bref. Continuons. Donc ce niveau, c'est un niveau où l'eau monte au fur et à mesure. Sauf quand on se coince dans le trampoline, en général tout se passe bien. Bah écoute, va te faire foutre aussi, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà! C'était cool! J'ai bien aimé, c'était sympa, on recommence. Mais. Hop! Voilà, ce coup-ci ça devrait être bon. Donc 70 looms dans ce niveau, c'est encore un niveau assez long. Alors, ça y est, voilà, j'ai enfin réussi à choper mon looms. Alors les gens, est-ce que vous avez bien mangé? Moi je me suis mis bien comme il fallait. Je me suis fait une ma putain de pizza dont j'avais parlé tout à l'heure. Mais j'ai été sage, j'aurais pu la baffrer et la manger en entier, mais j'ai décidé de la jouer light et de m'en garder la moitié pour demain. Parce que je me suis dit, allez, soyons pas trop foufous non plus. On se garde l'autre moitié pour demain. Comme ça on fait durer le plaisir. Mais oui, casse-toi la gueule Rayman, je t'en prie. Sandwich tomate, salade concombre, c'est terriblement plein passé. Tu m'étonnes, ça c'est vachement bon. Tu manges en regardant ton stream, mais que manges-tu? C'est les questions que j'aime bien poser en début de stream. Mais que manges-tu? Avec un petit filet d'huile d'olive, bah bien sûr, classique. Un grand classique, le petit filet d'huile d'olive. Moi j'en suis à mon petit cappuccino. Je l'hésitais, je me suis dit, oh, voilà ce que je vais faire, un thé. Et en fait, non. Hot dog merguez, salade tomate maison, sans pain pour hot dog, mais avec de la baguette vu qu'il y a du beurre dedans. Ah, nice! Très sympa. Très très sympa. Des buns à la bolognaise. Ouais, je crois que je vois ce que c'est. J'en ai jamais goûté. Quoique, si, j'en ai déjà goûté. Oh, je sais plus si j'en ai déjà goûté. Mais ouais, je vois ce que c'est. Ça m'a toujours intrigué, mais je sais pas si c'est bon. Par contre, tu sens que samedi, ça va être junk food. Haha. La junk food. T'es pas en état de rester debout, tu m'étonnes, après tous ces efforts.
Le sport, c'est bon pour la santé, blablabla. Moi, je vous jure, hein, le sport, c'est dangereux. Sinon, moi, je suis contente. Pendant que je faisais la cuisine, j'ai un électèque qui s'est pointé à la maison. Moi, je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'avais pas chopé grand-chose, hein. Aujourd'hui, les Pokémon étaient plutôt timides. Et puis là, pouf, un électèque. Je veux dire, je fais ouh, trop cool. Donc voilà, c'était la petite news Pokémon Go. Voilà, j'ai fini d'enlever la mousse de mon cappuccino, tout va bien. Est-ce que tu peux charger? Oh, ça... Ah non, c'est bon, ça l'a touché. J'ai cru que ça l'avait raté. C'est l'e-sport, voilà. Tu peux plus vu qu'il y a des beurres dans les pains de kebab ou dans les pains burgers. Ah oui, bah oui, effectivement. Si t'as une intolérance ou une allergie, c'est vrai que c'est pas très pratique. Par contre, en parlant de junk food, moi j'ai hâte que mon kebabier revienne. Ah, mon cher et tendre kebabier, qu'il me manque celui-ci. Ah, j'ai hâte de manger à nouveau ces magnifiques et bons kebabs. Ah là là. Ah là là. Ah bah oui, mais oui, mais forcément, si t'écris tout en caps lock. Ah bah oui, mais le caps lock, bah voilà, faut pas chercher, hein. Non mais oh. Non mais oh. Alors j'ai fait un effort, hein. J'ai dit à Nightbot de pas ban quand il y avait des liens. J'ai dit à Nightbot de pas trop ban pour tout ce qui est emote et symbole. Je lui ai augmenté un peu sa limite. Mais bah après, je veux dire, faut pas chercher la merde non plus, hein. Hein? Faut pas chercher la merde non plus. Vous croyez que je peux choper l'interrupteur d'ici? Oh allez, je suis sûre que tu peux utiliser l'interrupteur. Allez Rayman, fais un effort. Bon, de toute manière, on ira quand même là-bas, mais ce serait cool qu'il... Oui! Qu'il y arrive! De toute manière, on va forcément aller par là, vu que bah, j'ai besoin... Nightbot est pas tolérant quand il est mal réglé. Non mais de toute manière, ça vous apprendra à écrire en full caps locks, hein. Moi, je vous ai dit... Enfin, moi, je suis plus tolérante que lui sur le caps lock, hein. Je tolère, donc j'irai re-régler ça. Mais que voulez-vous, hein? Et il est très bien réglé, mon Nightbot. T'as qu'à pas tout... T'as pas qu'à tout... écrire en caps lock, hein? T'avais qu'à laisser une minuscule et puis voilà. Non, j'irai régler le truc des caps lock et puis je ferai ça après le stream. Oh. Avec tous les trucs que je fais, je sais même plus par où j'en suis. Eh bien écoute, tu as beau être une machine à caps lock, il va falloir que tu te retiennes le temps du stream, hein, parce que j'irai reconfigurer tout ça, mais après le stream, donc bon. Il te connectait pas avec moi, du coup t'es revenu à Moobot. Ben moi j'ai les deux, parce qu'en fait Moobot par contre je le mettrai pas enfin je vais pas lui activer tous ces trucs de modération, je vais juste le laisser modérateur, mais il fera rien. C'est juste que bah, je vais voir éventuellement pour tous les jeux à la con. Faudra que je configure ça bien, que je regarde si tout fonctionne bien, etc. etc. J'ai dit que je l'avais augmenté, c'est pas pour autant qu'il faut qu'il faut mettre que des symboles quand vous parlez. J'ai augmenté sa limite, mais il y a une limite quand même. Vous cherchez la merde en même temps aussi à chaque fois. Ah mais non, c'est le missile qui s'est pris mon Kamehameha. Oh, tant pis. Mais c'est juste que par contre, ouais, moi la limite des emotes et des symboles, je vais la laisser parce que ça évitera justement que les gens spamment trop. Une très bonne chose qui est ça de base. Je peux voir quelque chose. C'est pas fort du tout avec tous ces missiles, sérieux. Ah mais de rien, Anso, écoute, c'était normal, hein, je te l'avais promis. Chose promis, chose due. Ah putain, ça fait du bien quand ils s'arrêtent les missiles. Oh la vache. Putain, mais I'm so sérieux! Alors.
Oh là là, je vous jure, non mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? Faut que j'apprenne mes commandes par cœur, moi. Alors, ta-da-da. Pouf. Alors, pouf. Alors, hop, on va recommencer. C'est bon, tu peux reparler à Imso. Ça t'apprendra, il t'a prévenu. Il t'a prévenu, du coup, il t'a banni. Bah ouais, mais Iban, bon, tant pis, je vais faire ça en plein stream, hein, ça casse complètement toute l'action, hein, mais comme vous pouvez pas vous retenir, hein, vous pouvez pas vous retenir, c'est bien ce que c'est, hein, c'est bien marqué spam protection. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous spammez? Bah tant pis, vous spammez! Alors, limite, voilà. Il y a limite 20. Bah non, je le fais pas après, vu que t'es pas capable de. Vu que t'es pas capable de pas écrire tout en caps lock. Alors, ça c'est bon. Option. Alors. Voilà. Hop. Voilà. Et symbole. Pouf. C'est bon. Je les ai pas enlevés. Attention! Je les ai pas enlevés, je les ai un peu allongés. Donc faites gaffe. Ah mais c'est trop tard, Emso, hein, c'est trop tard. Donc, voilà, désolé pour ça, j'ai un chat dissident. Hein. Ah, ils peuvent pas se contenir. Hein. Je leur dis de pas faire ça, ils le font, et puis après, forcément, tout va de travers. Hein, hein forcément. Je vire pas Nightbot, tu veux rire? Bon, je l'aime bien mon Nightbot. Bon. Ou alors, éventuellement, je garderai que Moubot et je lui mettrai toutes les commandes que je me suis fait chier à mettre dans Nightbot. Je verrai, je verrai. Mais en attendant, j'aime bien Nightbot. Tu peux viser le pirate? Merci. Non, casse-toi, merci. Est-ce que j'ai tout ramassé par ici? J'imagine que oui. Ah ok, là c'était la fin. Très bien. Et donc, normalement le dernier... Oups! Remonte. Merci. Le dernier doit être par la caméra. Arrête de t'affoler, s'il te plaît. Tu vas finir par m'achever à force. Oh le feu! Oh casse-toi le feu! Merci! Ah c'est tellement chiant les caméras qui vous laissent pas voir ce que vous avez envie de voir. Du coup t'es obligé de passer en mode première personne pour pouvoir voir ce que tu souhaites voir. Quoi ce bruit? Ah, c'est lui. Encore lui. Toujours lui. Vous croyez que ça le touche? Bah oui, ce lancer parfait. Tu
peux t'accrocher? Non? Non, non, très bien. T'accroches pas, hein. Que veux-tu que je te dise? Oh, mais oui, t'accroches pas, Rayman, s'il te plaît. Ça me fait plaisir. J'aime quand tu t'accroches pas. C'est tellement pratique. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à ramasser par ici? Non, mais t'inquiète, Grundy, hein, je ferai juste les tests un jour où il n'y a personne sur le chat, comme ça je m'entraînerai pour voir ce qui se passe. Bon, j'imagine qu'on a tout ici. Je testerai différentes combinaisons. Donc, normalement, c'est bon. J'ai le droit de voir quelque chose. Ah, la caméra de ce jeu, des fois. Oh là là. Ah, y a pas de tourpeau, hein. Donc ici, il n'y a rien, très bien. D'accord, donc en fait c'était le chemin pour retourner là-bas. Très bien. Du coup, on va y retourner. Si tu peux remonter. Caméra, qu'est-ce qui se passe? Arrête de paniquer, s'il te plaît, tout va bien. Ici, très bien. Le jeu se résume à... J'espère que... Ruffles est bourriffé. Non, parce qu'en fait, des fois, il y a des gens dans le chat qui s'amusaient à faire Ruffle à la place de Raffle. Et Waffle, donc bah, j'ai mis des commandes pour troller. Du coup, j'ai mis ça, et faudra que je pense à faire une autre commande aussi. Une autre commande que les gens aimaient bien taper pour m'embêter. Histoire que le tour soit fait. Petite pause cappuccino, hein, quand même. Sinon, ça va refroidir. Bon, est-ce que globalement, les nouvelles commandes, elles vous amusent? Parce que, enfin, elles vous amusent. Façon de parler. Moi, ça m'éclate. Mais... Oups. Pauvre micro. Non mais fais gaffe, hein, parce que je pourrais très bien dire à Nightbot de te time out à chaque fois que tu marques Lulu Noob ou que tu marques des trucs pas méchants suivis de mon pseudo, hein. Fais gaffe. Je peux le faire, c'est en mon pouvoir. Non, c'est pas très drôle. C'est rigolo une fois, deux fois ça passe, trois fois ça commence à être lourd, une infinité de fois ça va finir en time out. Moi je dis ça. Moi je dis rien. Putain, mais vous avez fini, mais à chaque fois vous rentrez des commandes à la con, je vais finir par tout écrire et puis vous verrez bien, faut que je trouve des idées moi. Ah, mais le micro, casse-toi, tu m'empêches de boire. Qu'est-ce qui est pénible? Le chat qui dit n'importe quoi, le micro qui m'empêche de boire, non mais où va le monde?
sens le petit bruit là qu'il y a eu, le tout. Ça, on dirait trop que ça vient de Spyro aussi. Ah, mais bon. Il n'empêche que. Par contre, cet haut-parleur est très pénible. Là, ce passage, moi ça me rappelle trop Spyro. Le monde. De feu. Où on est dans le monde préhistorique et il faut par exemple ramasser les os pour George, etc. Ça me rappelle cette musique là un peu. Oh, vraiment. C'est trop bizarre. C'est exactement le même passage, quoi, sérieux. Oh si, en vrai, je pourrais très bien me saouler quand même, hein, mais c'est juste que ça m'amuse pas de boire et jouer en même temps. Déjà que je bois rarement, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un tonneau à nouveau, très bien. Ah oui, c'est vrai qu'il peut pas le garder enfoncé. Ad vitam aeternatam. Bon, tu te retournes avant que ça explose. Ah, très bien, ça marche. J'en ai profité pour péter la cage au passage. Très bien. Yeah! Wow, hey! Faut faire un giveaway, cette fois tu donneras de l'amour. Jamais! Je n'ai pas d'amour à revendre, ni à donner. Je n'ai plus d'amour. Est-ce que si je saute là-dedans je peux revenir, ou est-ce que c'est le chemin à suivre, ou comment ça se passe? J'ai fait une sauvegarde avant, parce que je sais pas quel chemin je dois suivre. Quel chemin est-ce donc? Ah, j'aime pas quand ça part dans tous les sens. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Eh ben en fait, c'est la mort! Très bien, très bien. C'est pas du tout un chemin, c'est la mort. C'est génial. Oh. Ah non, j'ai pas dit que je ne vous aimais pas. Au contraire, je vous aime, mais je ne peux pas donner de l'amour plus que ça, quoi. C'est trop. Bon, là du coup c'est bon. Ici qu'est-ce qu'on a? Ici on a l'air d'avoir une cage. Me semble, au bruit. Waouh! Je m'attendais pas à ça. J'avais pas vu que c'était accroché au plafond. J'avais pas capté. Du coup, je me suis dit, mais c'est bizarre son saut. Bah oui, qu'il est bizarre son saut, tu m'étonnes. Oh! Oh! Je comprends mieux pourquoi le tonneau du début. Je comprends mieux pourquoi le tonneau au début. Oui, caméra, tout va bien. Respire. Tu peux le faire. Je sens que ça va pas être trop lourd, hein, d'amener le tonneau jusque là-bas. Alors, non, c'est dans l'autre sens. Alors, allez, plateforme. Toi aussi, tu peux le faire. Bon, en fait, ça va. C'était pas si chiant que ça. Super plan séquence sur la cage, c'était trop bien. Enfin, plan séquence, pas du tout, mais super plan plutôt
tout simplement. Est-ce que je peux m'asseoir à la chaise? Non. Bon, je crois qu'on a tout pris. On dirait bien. Bon, du coup. Lulu skill. Ouais, éventuellement, faudrait que je fasse un truc, Lulu skill. Mais pourquoi? Parce que c'est pas préparé, mais enfin! Éventuellement, faites-moi, je sais pas... Putain, la vache, il s'est morfé, il s'est mangé plein de dégâts dans la gueule. Éventuellement, mettez-vous d'accord sur les commandes que vous aimeriez avoir, mais vraiment, pas genre des trucs troll et vous n'allez pas me balancer 15 millions de trucs différents. C'est une vraie question. Quelle commande vous aimeriez bien avoir, que ce soit bah, pour interagir entre guillemets avec moi, ou que ce soit pour dire des trucs dans le chat. Je parle juste en commande, hein, donc les points d'exclamation. Qu'est-ce que je pourrais mettre qui pourrait vous amuser, je sais pas. Genre tu peux pas t'accrocher là, Rayman. Tu te fous de ma gueule. Je crois qu'on se fout un peu de ma gueule. Ouais, décidément, quelle bien étrange vision, mais Rayman, s'il te plaît. Hop, on a rien vu. Putain, mais... Merci. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour des looms? Ah non, mais cherche pas, c'est le bazar. Bon, alors, je répète. Quelle commande... Ah, fallait peut-être aller par là. Ah bon, ça va. Quelle commande aimeriez-vous éventuellement voir ou pouvoir utiliser sur le chat? Donc les points d'exclamation, quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez utiliser? Et c'est une vraie question, entre guillemets. Hein. Enfin, pas entre guillemets, c'est une vraie question. Que vous pourriez utiliser régulièrement ou autre, sans partir dans les commandes troll ni après que je les ai configurées en utiliser d'autres. Enfin, après vous pourrez toujours utiliser d'autres, mais ça marchera pas. Mais heureux te toque. Donc qu'est-ce que Lulu Rect et Lulu Skill? Ouais, éventuellement. De nourriture pas chère, mais non, pas ce genre de commande. Alors, est-ce qu'il y a 3 looms par ici? Absolument pas. Putain, où sont ces 3 looms? Ah, j'en ai marre des 3 looms mystérieux. Où sont mes 3 looms? Je vais tout brûler. Bah, pour les réseaux sociaux, en fait, il y a pas vraiment besoin, vu que j'ai les liens, en fait, enfin j'ai les trucs sur la page sur la page là, juste là en dessous de l'écran de stream. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine que je fasse une commande ou quoi pour les réseaux sociaux? Parce que du coup, vu qu'il y a déjà toutes les informations en dessous de la page de stream, non, je ferai pas de commande beer, ça ne m'intéresse pas. Là, je peux pas grimper. Là, il y a un trou où on meurt. J'aime pas quand il manque 3 looms. C'est comme quand il manque... Ben, la liste pour les commandes, c'est point d'exclamation commande. Tout simplement. J'aime pas quand il manque 3 looms. Yeah. Tu les vois quand tu reviens de la salle où tu as pu libérer les petits êtres. Ah oui? Vraiment?
Non, c'est par là. Alors. Alors. Tiens, la chanson des petits êtres, ils ont fait non, c'est fini. Allez, t'as trop traîné, pouf, on repasse. On repasse sur un truc normal. Ah oui, bien vu, bien vu, bravo. Effectivement, tu as de meilleurs yeux que moi. Bien joué, bien joué. Oups, il s'était accroché. Alors des fois il s'accroche, des fois il s'accroche pas. Ah, il m'en manque un. Non. Bon, y a rien ici. Oh putain, un looms quoi. Je suis sûr, il est perdu quelque part d'une connerie hyper hyper grosse que j'ai pas vue. T'inquiète, Aimso, j'ai tout prévu. J'ai tout prévu, Aimso. TKT. J'y ai pensé justement. Bon, bah il me manque un looms. Oh, je vous jure. Un putain de looms. Un looms. Ah, j'en ai marre. La vie, c'est nul. Bien, allez. Bravo, tu as réussi à ouvrir les portes de l'usine. Traverse l'usine et cherche les marais. Le sanctuaire de lave se trouve juste après. Ok. Bon, on va aller voir Lee, hein. Lee, c'est mon ami. Non. Bravo, Rayman. Tu as libéré assez de familiers. Je peux ouvrir une nouvelle porte. Bah écoute, Aimso, bonne nuit à toi et bah bon courage. Repose-toi bien. Les petits Globox! Ah oui, c'est vrai, c'est dans la deuxième course qu'ils sont là. C'était pas dans la première. J'étais persuadée que c'était dans la première qu'ils étaient. Y'a pas des looms au début? J'ai comme un doute. Oh non, Rayman! Comment, quelle triche! Reviens, Nénuphar! Nénuphar far away! Alors, ça, c'était une mort exprès, hein, une mort voulue, hein, pour pouvoir reset la RNG des Nénuphars, n'est-ce pas?
Salut Akatosh, comment ça va? C'est quoi une fée? C'est compliqué, ça dépend des légendes. Normalement, une fée, c'est un être qui est censé avoir des ailes. Ou quelque chose, une créature magique. Mais après, ces fonctions, il y a plein de fonctions différentes. Les fées en Bretagne, ça va dépendre. Les fées en machin, ça va dépendre. Les fées ailleurs, ça... Il y a plein de fées différentes. Elle triche, mais elle est fair play, effectivement. Et en plus, même si on arrive après elle, on a quand même gagné. Fais le ménage, fais la vaisselle, fais tes devoirs. Ah là là. Peut-être, hein, peut-être. Qui sait? Grundy! Mais c'est dégueulasse! Mais enfin, j'attends pas ça de la part de mes modérateurs. Mais enfin, c'est dégueulasse. Mais dis donc. La fair play, ça c'est mieux. Grundy, je suis déçu. Je suis choqué et déçu. Vas-y là. Vas-y là. Attends. Tu fais le malin. Bim! Ça a pas marché. Je suis triste. Ça marche pas. Il veut pas me le laisser faire. Attends. Alors, comment je peux faire? C'est trop nul. T'as de la chance que je galère. Sinon, je peux aussi faire ça, hein. En théorie, je peux faire ça. Voilà. Ça marche pas. Bon, et maintenant faut que ça remarche. Voilà, forcément si je mets pas l'espace devant, ça marche mieux. Voilà. Parce que comme j'ai pas réussi à time out, hein, voilà, comme ça t'apprendra à écrire des conneries sur le chat. Non mais... l'usine de pirates, voilà. Putain, ça me fait faire n'importe quoi là, on est en train de perdre toute l'action du jeu. Non mais Grundy, tu peux revenir, hein, t'es plus ban. T'es unban. Ah bah eh. Non mais... Putain, sérieusement. Putain, mais Mister Cross, quoi. Non mais sérieusement. Sérieusement, mais qu'est-ce que vous avez ce soir, les gens? Mais qu'est-ce que vous avez? La fameuse usine. Ah mais oui, du coup, attends, bah forcément, comme... Ah là là. C'est bon. Des robots morts-vivants. Je me souviens tellement pas de cette zone. Mais alors tellement pas. Ouais, la clôture électrique!
Oh, mais c'est pas grave, je les remode. Alors, bon, là du coup c'est bon, c'est de là d'où je viens, j'ai tout ramassé. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Oui, il y a quelque chose ici. Oups, tout va bien, tout va bien, tout va bien, Rayman. Est-ce que j'ai tout ramassé? Bon, j'espère que j'ai tout. Je l'espère. Bon, raté, c'est pas grave. Ici, y a rien. Ici, y a rien. Est-ce que tu veux bien le... Non, tu veux pas le... Rayman, please! Non. Ah, mais c'est pas un bouton. Je pensais que c'était un bouton pour ouvrir la porte. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je pensais que c'était un bouton, genre un minuteur pour ouvrir le... pour ouvrir la porte. Ça y ressemblait un peu, de loin. Non mais Mr. Cross, qu'on soit bien clair, parce que t'as l'air en forme ce soir. Si tu spammes trop de trucs, si Nightbot te time out pas, c'est moi qui vais te timer. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est bon les spams, vous êtes gentils, c'est rigolo 5 minutes, mais ça va. Au bout d'un moment, calmez-vous quoi. Donc sanctuaire de lave, c'est par là. La fait n'importe quoi. Moi, je dirais plutôt que c'est vous qui fait n'importe quoi. Mais bon, du coup, ça marche pas. Je vais faire faites n'importe quoi. Faites n'importe quoi. Ça marche moins bien tout de suite. Hein. Bon, je crois qu'on a tout. Je peux pas grimper. Il n'y a pas l'air d'avoir de trucs là-haut. Là, je crois que j'ai tout pris. Bon. Bim! Et bim! C'est vrai qu'il y a des barrières de sécurité. Pour pas que Rayman ne tombe, c'est très important. Alors. Bon, il me manque des looms encore. Mais je crois qu'il faut passer par un autre endroit. Parce qu'il y a un endroit où Clark peut passer et casser une porte. Au secours, Rayman ! Les pirates m'ont capturé ! Dommage, salut. Je suis enfermée dans la cage au-dessus de toi. Il y a 4 interrupteurs comme celui-là. Marche dessus pour activer ce canon. Non. Et va au centre de commande pour tirer sur la cage. Je crois que je suis en train de faire quoi, tuto? Alors. Eh ben, je peux tirer sur la cage directement, non? Tada! Est-ce que ça a marché? Suspense! Bah que dalle. Que dalle. Super canon. Super canon. Plutôt que de se faire chier à tout casser. Plutôt que de se faire chier à tout casser, il pourrait simplement tirer sur la cage, hein. Mais non. Faut tirer partout. Oui, bon, vous allez pas mettre la cinématique à chaque fois quand même. Alors.
Alors, hop, on va faire une sauvegarde ici, comme ça. Sérieusement. Rayman, mon héros. Le bisou. Tu arrives juste à temps. Les pirates voulaient tester une nouvelle arme sur moi. Dommage. Oh oh. C'est un piège. Surprise. Boss Biddy Tank. Poubellus Agroyis. Vite, cache-toi. Cache-toi et laisse-moi tout faire, hein, naturellement. Hey Chobo. Mais il va se calmer le canon. Ah mais oui, effectivement. Effectivement, effectivement, t'as raison, t'as tout à fait raison. Je m'en étais pas rendu compte. Attends, je vais corriger ça tout de suite. Alors, pouf. Mais non, c'est parce que nous sommes pizza, tu comprends pas. C'est parce que nous sommes pizza. Tada! Voilà. So, how are you, Lulu? Lulu. Yeah! Chobo! How are you, Chobo? Since last time. And no, there's no croissant emote. Not emote, but command. Ah! Oh. Pour ma défense, je crevais de faim quand j'ai fait les trucs, donc voilà pourquoi j'ai une excuse valable. Oh. Non mais vous allez pas faire toutes les bouffes. Oh, come on, tell me you never made any mistakes. Dites-moi, vous avez jamais fait des fautes, hein. Allez-y, la foutez-vous de ma gueule. Ça va, hein, ça va. Bon, heureusement que ce boss fait pas spécialement mal, il est juste chiant. Hopefully this boss isn't really that powerful, he's just annoying. It's sucre d'orge. Not sucre d'orgie, it's sucre d'orge. Une pizza à l'omelette, ça me paraît trop bizarre. La partie n'est pas encore gagnée, je m'en vengerai. Tu me vengerais. C'est quoi cet accent? Je dirais un accent chelou robot là. So you see, it's sucre d'orge.
je. That's the sound I couldn't explain to you earlier. It's je, sucre d'orge. Because if you say sucre d'orge, that's really weird, you know, you shouldn't say that. So when you say it, it's sucre d'orge, je. Here it's e at the end, not I, e. I hope next time you can say it right. And by the way, your tarte à la cerise was really nice this morning. I had a first time I was surprised. I didn't expect you to speak French, so that's why I couldn't understand the first time. But then, when you told me that you were speaking French, then I could sort of turn my brain on. And I realized that what you've been saying. So that's why I made you repeat that this morning. So hope you're not sad or anything. Pizza bolognaise, tu m'étonnes, parce que ça doit être trop bizarre. Y'a pas de loups. Alors, je sais plus quel chemin il faut prendre, si c'est sous le sanctuaire ou si c'est le sanctuaire d'abord, mais on va tester ça. Shouldn't say that. Come on, Chobo, you know. Ah, je sais plus s'il faut d'abord que j'aille au sanctuaire ou s'il faut d'abord que j'aille sous le sanctuaire. I don't remember which way I should go first. If it's this way or the other. That's... Ah, why can't I remember? Anu! Perso, moi, une pizza à l'omelette, ça me tente trop pas. Hein. Enfin, après, je sais pas si tu disais ça pour la pizza à l'omelette, Grundy, mais... Prends ton temps, tarte à la patate. Wow. Nul! Ah, l'omelette de tofu, mais ça doit être trop bizarre. Ah, ça me tente trop pas. Honnêtement, ça me tente pas du tout. Ça a l'air trop bizarre. Whoopsie! Après, je sais pas, hein, j'ai jamais goûté, ça se trouve c'est excellent, mais dit comme ça, franchement, je... Alors, pour celle à l'omelette et à la bolo, t'as déjà mangé une pizza à la banane et un où le chef cassait un œuf cru dessus. Bah, pizza banane encore, ça va, enfin, je sais pas... j'arrive à visualiser le truc, ça me paraît pas bizarre, mais pizza à l'omelette, je sais pas, ça me paraît bizarre. J'ai jamais été trop fan des œufs sur les pizzas de toute manière, donc ceci explique peut-être cela. Mmh.
Waouh. Changement de caméra. Ouais. Ouais. Youhou. Waouh, 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 waouh. Oh, j'avais pas vu. Mais pas de soucis, Grundy, pas de soucis. Et effectivement, bon courage à toi aussi. J'ai déjà touché un bout. That's how it's done. Yahoo! Végétarienne, mais j'essaie de réduire peu à peu ma consommation d'œufs et laitage. Déjà, j'achète plus de. J'ai jamais acheté de lait, pas souvent quoi. Les œufs, j'en achète plus là, ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Par contre, ça m'arrive encore de prendre certains laitages ou certains fromages. Mais à part ça, j'essaie de réduire ma consommation de lait et de lait. De l'étage. Enfin, deux et de l'étage, pardon. Ah non, c'est juste un trou, ok. I thought this was something you can explode, but no, that's just a decoration. Salut, Alculeur, enfin, ruff. Ben non, il faut que je configure tout ça, mais enfin. Il faut que je configure tout ça. Ça me vient de quoi? Bah, ça faisait super longtemps que j'avais envie de sauter le pas. Parce que je sais pas, déjà de base je mangeais pas tant de viande que ça. Ce que je mangeais principalement c'était plus du poulet. Je mangeais très rarement des viandes rouges, des viandes saignantes ou autres. J'ai jamais trop aimé ça. Et puis je sais pas, la surconsommation de la viande partout tout le temps. Et quand je dis viande, je comprends aussi le poisson dedans. Hein. La surconsommation partout tout le temps de tout ça, ça me saoule. J'ai connu des gens qui prenaient soin de leurs bêtes, qui étaient là du début à la fin, et qui à ce moment-là nous avaient fait goûter des viandes, mais qui avaient un goût incomparable, quoi, parce que justement ils avaient pris soin des bêtes, ils s'en étaient bien occupés, quoi, quelque chose de normal. Or maintenant, ce que tu trouves, c'est complètement dégueulasse, enfin. Ou alors faut payer hyper cher pour pouvoir un truc, pouvoir avoir un truc d'une qualité minimum correcte, quoi. Et puis même, enfin, à force honnêtement,
plus le temps passe et plus ouais je me dis que bah ouais j'en avais marre aussi de, bah, de bouffer des animaux, tout, concrètement, tout simplement. Après ça me dérange pas dans le sens où tu vois je vais pas engueuler des gens qui vont manger de la viande. Mon choix est, ne regarde que moi. Ah oui, par contre ça, anti-chasse, je l'ai toujours été. J'ai toujours été contre la chasse. Mais contre la chasse pour le plaisir. Si c'est une chasse éventuellement pour réguler. Parce que, mettons, il y a trop de machin, il y a trop de ceci. Ça, d'accord, ça je veux bien. Ça, je comprends. Par contre, si c'est juste une chasse pour... Ah ah, lol, ça y est, ce soir, on va manger ça, MDR, c'est trop bien. Allez, je tue tout ce que je trouve. Non, ça non. Ça, sérieusement, non. Oh. On avait des canards de barbarie, fut une époque, et on nous les a complètement niqués. Et je soupçonne des chasseurs d'avoir fait ça, justement. Parce qu'ils se trouvaient chez nous, ils étaient dociles. Et qu'est-ce que tu fais, caméra? Ils étaient dociles et du coup, bah, j'imagine que le chasseur les a juste appâtés. Et puis basta, donc il nous a niqué nos canards de barbarie. Fut un temps, on avait plein de poules. Et ça, tu vois, j'étais prête, vraiment. Enfin, mes parents m'ont jamais trop cru, mais j'étais prête à éventuellement m'en occuper moi-même pour qu'on puisse les manger. Bon, il se trouve qu'elles se sont faites toutes descendre en une nuit dans le poulailler. Voilà, ça a réglé la question. Mais parce que ça c'était des bêtes qu'on avait élevées nous, que je savais ce qu'elles avaient bouffé, je savais comment elles étaient, je savais plein de choses. C'était pas des trucs bizarres que tu trouves en supermarché quoi. Parce que ce qu'on nous sert maintenant, enfin honnêtement moi je suis beaucoup moins malade depuis que je mange plus de viande ni de poisson. Déjà je mangeais très peu de poisson. Je me porte beaucoup mieux depuis. Mais, encore une fois, ce sont des choix qui ne regardent que moi. Je ne vais pas juger les gens qui n'ont pas changé leur consommation. Parce que bah, c'est moi qui ai choisi d'être végétarienne. Donc c'est un truc qui n'engage que moi. Après plus le temps passe et à force, plus je change aussi un peu mes raisons. Ça commence un peu à changer, tu vois. Je commence à avoir une autre conscience derrière ça. Donc c'est pour ça que petit à petit, j'aimerais bien essayer de réduire différentes consommations. D'où le, par exemple le fromage, les œufs, etc., le laitage, tout ça. Donc voilà, mais encore une fois, je le dis, ça ne regarde que moi. Par exemple, quand j'ai des invités qui viennent à la maison, même si c'est rare, je les force pas à bouffer végétarien. Si ça les intéresse, je partage, mais c'est tout. Par exemple, je vais leur dire, bah écoute, tu peux servir, tu ramènes ce que tu veux, mais tant que tu finis ce que t'as acheté ou que j'ai pas à le cuisiner moi, c'est ok. Voilà. Donc voilà quoi. Ah, 2 petites minutes, il se trouve que j'ai un appel. 2 minutes.